On arrête de discuter. Ok, Allez, au bouge milieu. pas. Oula. Allez. Allez. Bouillez pas, bouillez C'est pas. bon. Toi là, avec ton chapeau, On tu montes dans bouge la pas. côté. Plus personne bouge, les Première. bouillons. Toi là. Il y en a un qui Première. bouge, il prend une balle, ok? Toi, allez. Qu'on soit bien qui elle. Le manteau, dans la côté. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais que les bras. Qu'est-ce qui se passe? Toi, hombre. Avec ta. Oh merde, c'est une chica. Allez. Avec les cheveux noirs dans la côté aussi. Ah, andale, andale. Et toi avec ton short bleu dans la couche aussi. Ah. Allez. Allez. Là y en a deux qui, viennent. Toi d'où viennent? Là-bas, là-bas. Toi c'est d'où viennent là-bas? Ici là. Allez là-bas. Venez, venez. Lo siento, señores. C'est une réquisition pour un braquage. Ah. Vous verrez tout ça aux informations. On fera rien, vous inquiétez Allez. Pas. Vous inquiétez pas. Y a intérêt. Allez Raoul. C'est bonne baisse. Buenas tardes, señor. Buenas. Buenas a tous. Allez. Allez, vamonos. Alors, il y avait quoi? Radio, téléphone? Bonne. Comment vous Oui, appelez, oui. Allez, donne. Donnez tout, donnez tout. Arma, tout ce que vous avez sur vous, vous donnez. Rien de dangereux? Rien du tout. Un couteau, moi, sûrement. Un couteau? Allez. Tout le laissant le coffre. C'est bon, il est pris. Vous allez me donner vos téléphones. Aïe aïe aïe. Et sacré moustache. Merci. De rien. Bon, ça va, vous y allez bien? Vous passez une bonne soirée? Jusqu'à maintenant, oui. Bon, qu'est-ce qui se passe, messieurs? C'est un peu compliqué. Oh, allez, on vous prend juste pour un braquage. Ne m'inquiétez pas. Ah, d'accord. On a juste besoin de. Le main d'œuvre, on va dire. Et vous n'en faites pas, tout sera bien pour vous. Tu vois que vous faites pas. Vous faites pas n'importe quoi. Non, 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 bah non, je prends. Non. Non, ben non, il passe pas. Si, je me sens pas très bien, ouais, quand même. Non, si, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et putain de sa mère. Bah, tranquille, tranquille. On a le temps, on a le temps. Si. Vous vous appelez comment? Guillermo. Kim. Guillermo. Et Kim. Ok, oui. Ralenti, hermano. Faites quoi des bois dans la vie? Bon, on vient juste d'ouvrir le. Notre taxi, au fait. Oh, bien, ça. C'est... Bien, bien, bien. C'est justement pour la con. Pour ça qu'on était là, au fait. D'accord. Ok, claro. Eh bien, bon courage à vous pour cette ouverture. Merci. Merci. Ça commence ah un oui. peu. Ah oui. Instant, vous comprenez. No, une banque quand même. Ah, ah oui. Perfecto. Oh bah si. Allez, vous descendez. Oh là 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 là. Descendez, vous allez à l'intérieur. Allez. Intérieur. Allez. Allez, on avance. Je me sens pas bien. Attendez, allez. Attendez. Attendez ici. Attendez ici. Ici, non, ici. Attendez ici, attendez ici. 4, c'est un peu le nom de Là-bas derrière la grille. Les deux. D'accord. Derrière la grille, derrière la grille. C'est nous le derrière la grille. Raoul, il a dit derrière la grille. Mais non. Et les hermanos, pourquoi vous dites les blazes? On s'en bat les coronets, de toute façon. On est recherché. Ah bon? Mais si, on s'en bat les couilles. Allez là. Les autres otages sont derrière. Mettez-les avec. Bon, bah allez. Voilà, tu vois, les mettre derrière. Là, là. Ferme ta bouche, je savais pas qu'il y avait d'autres. Ah, tranquille. On y va. Oh Stéphane, comment se retrouve? Oh ben, j'aurais préféré autrement. Vas-y. Je vais pas te mater. À
Après, il y a beaucoup de monde, t'es obligé de choisir. Essaye là. Essaye. Devant la porte. Allez, au fond. Assez. Si, assis devant la porte. Tournez-vous quand même, parce que le mur. C'est pas, trop si, rega... si. C'est pas trop beau à regarder, quoi. Je pense qu'on est, on est plus beau que le mur, Herman. Si. Faut aller à la porte derrière. Si, il va y aller, il va y aller. Bonne, le banquier est où? Bonne. C'est moi qui va vous garder pendant cette prise d'otage. Il me présente, c'est moi Tachi. Voilà, si vous avez besoin d'eau à manger, et vous me dites. C'est bon pour vous? Ok. Ok. Oui. D'accord. Raoul. Le banquier. Il est au faune. Il est au faune. Ok, très bien. Bon. Comme vous le saviez, le savez, et nous sommes pas là pour vous faire du mal. En tout cas, je l'espère qu'on n'aura pas besoin de vous faire du mal. Je préfère vous y changer contre la police. Vous comprenez pour la zone? Oui, d'accord. Donc, si vous faites pas les cons, c'est parfait. Perfecto. C'est bon? Si, si. Oui. C'est bon. Alors, il n'y aurait pas besoin de tirer. Mais le directeur de la banque, il n'est pas avec toi là. Tous les cônes, il t'a dit, tu l'emmènes. Là, il y a le DJ code. Bon, après, toi là avec chapeau de paille, ton métier d'accord. C'est bien la ferme. Oui, c'est ça. Bien. Et toi à côté là avec ton manteau classe. Je suis taxi. Tu es taxi? Si. Si. Le directeur. Bien. Tu es le directeur? Non, pas du tout. Non. Direct. Toi, madame la mademoiselle, descends. Avec les cheveux, tu es quoi? Descends. Je suis taxi. Toi aussi? Vas-y, descends. Yeah. Oui. Va là-bas. Oh, excusez-moi, et je me suis levé pour manger. Le... Vas-y, va là-bas. Et toi là, qui mange? Moi, quoi, je suis taxi aussi. Vas-y. Bien, il y a que des taxis ici. C'est ça. Ah bah non, il y a moi aussi. Hein. Je parlais en général. D'accord. Mais... Bien, bien. Ça marche sur les taxis? C'est un peu aujourd'hui. C'est la soirée d'inauguration, on va dire. Ça commence plutôt bien. Ah bon? Ça y est, ça commence fort. Perfecto. Ça commence fort. On va s'en souvenir, je pense, de cette soirée. Si, mais c'est bien. Mais attends, José. Dis-moi. Il y a deux portes. Il n'y a pas celle là-bas aussi? Mais non, tranquillo. Non, non, c'est bon. T'inquiète pas. Perfecto. Bon, et tu sais, on a pris les trois des taxis. Si. C'était leur soirée. Les Ah, bon, mais. Enchanté. Voilà. Si. Enchanté. Mais pourquoi voilà. Et dis-moi, toi, pourquoi tu es en short mal habillé alors que eux ils sont classe? Parce qu'il est pas en service. Moi, je suis pas en service, c'est pour ça. Ah bon. J'ai pas pris mon service ce soir. Si, il est en train, mais il est suivi à J'étais plus pour passer voir la course en fait. Ok, d'accord, je comprends mieux. Bon, je suis désolé que ce soit vous, hein. Mais bon, vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. Allez, dépêche-toi là. Plus vite que ça. Pourquoi j'ai mon téléphone dans la main, moi? Ah, oh là, on l'a pris ton téléphone, il te rappelle. Ah oui, oui, mais je comprends pas, hein. C'est un jouet? Là, je devais faire semblant dans ma tête, comme ça, pour m'amuser. Ah, il pense. Penser à autre chose. Si, il pense. Et je pense que c'est pour te changer les idées un peu, peut-être, que tu penses... Ah, que les petits poillots, ils ont peur. Oui, oui. Non, c'est vrai, ils ont peur? Moi, je pense. Hein. Je vais pas vous cacher, couille. Hein. Ah, toi aussi, t'as peur? Tu es poyos? Non, mais il faut pas. Pourquoi tu as peur? On n'a pas été méchants encore. Non, 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 non. Bon, ça va alors. C'est juste que j'espère que vous allez pas l'être. Hein. Mais non, mon petit Stéphane, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Hein. On a passé des bonnes soirées. Hein. Ah, ouais. T'es un... Ben,
La circonstance fait que, mais t'es quelqu'un de bien. Ah, il sait, il sait. Mais tu sais, moi, il fait juste mon travail. Ouais, je comprends. Il fait du mal à personne. Hein. Je comprends. Ah, mais tu vois, il t'a dit. Ils ont peur, les petits poulets. Ils ont peur. Bonne. En plus, il pense que vous pourrez ne pas avoir peur de moi parce qu'il y a quand même une voix. Viril, oui. Oh, toi, non. Bah, il y a envie de te dire, t'as quand même une AK dans les mains, donc à partir de. Oh, il y a quand même un charisme hein, avec le machin là. Je suis assez d'accord quand même. C'est... Si, mais bon, il y a une voix plutôt rassurante, non? Ça impose un sacré charisme, monsieur. Regarde, s'il enlève l'arme, c'est bien. Oh non, vous êtes toujours charisme. Il y a quand même le charisme. Charisme? Ouais. Ah ouais. Vous êtes toujours charismé, même sans ça. Hein. C'est pas parce qu'il vous a braqué juste avant. Je suis d'accord avec Stéphane. Peut-être. Hein. Ah, c'est peut-être ça. Hein. Je pense que c'est ça. C'est encore l'adrénaline qui te fait dire des choses comme ça. Bah, même vous, hein, au niveau du charisme, vous êtes bien. Et on a du charisme, d'après eux. Ouais, Rosé, il a toujours eu du charisme avec ses jolis cheveux. Ah bon? Ah ouais. Tu veux le pécho? Oh non, peut-être pas quand même, hein. Je suis pas de ce bord-là. Ah bon? Ah non. Ah, lo siento. Le quoi? Lo siento. Ça veut dire quoi? Ah bah tu regardes dans l'espagnol. Les dictionnaires. Ah, j'ai pas de dictionnaire sur moi. Ah, c'est con. Mes excuses. Je suis vraiment la dame intelligente. D'ailleurs, moi, je connais pas vos deux noms à vous deux là. Nous deux? Qui ça? Si. Toi là. Ah, attention. C'est Guillermo. Pardon? Guillermo. Guillermo. Qui? Guillermo. Non, Guillermo. Voilà. Ah, Guillermo. C'est Guy. Gay. Tout va bien. Et toi? Kim. Mais il est gay? Si, tranquillo. Oui. Bien. Vous avez des cheveux vraiment soyeux. Ah, pas autant que vous, hein. Ah, c'est vrai. Bah, après, moi, c'est vraiment. C'est vous êtes vraiment... beau-cheveux, hein. C'est grâce. C'est lui, le raisin. J'aime bien les beaux-cheveux en plus. C'est le lieu de raisin. C'est la raisin, hein. Ah. Il connaît donc le secret des beaux-cheveux. Ah, oui. Voilà. Moi, je mets de l'orange, mais c'est pas pareil. De l'orange? Ah! Ouais, ça fait un peu plus gras, juste. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Tu peux me croire, le raisin, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ah, ou sinon, il y a le pamplemousse. Ah, j'ai jamais... Ah, c'est acide, hein? C'est trop acide pour le cheveu. Je pense, ouais. Non, moi, il y a mis du pamplemousse. J'ai travaillé dans le raisin, et croyez-moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ah, bien. Avec ou sans les pépins? Ah, sans les pépins, bien sûr. Oh, d'accord. Sinon, tu abîmes le cuir chevelu. Oh, d'accord. Et vous savez que vous pouvez parler entre vous, hein. Il veut pas vous. On n'est pas méchants. Vous avez soin, faim et soif? Non, il leur a dit ça. Ok, clair. Tu es vraiment trop efficace. Si, je sais. Il fait bien son travail, oui. Je vous confirme. C'est. Et regarde, c'est plutôt aimable. Ah, non, s'il vous plaît. Ouais, tranquillo, il est gentil. Faut pas me faire des frayeurs. Accident, ça arrive vite, hein. Non. Je suis assez craintif de base, donc c'est vrai que c'est... Si, tu es une tarouse. Bah, je suis pas un homme d'action comme ça, on va dire. Tu sais, il y a une époque, il était un peu comme toi. Mais après, il y a eu une petite histoire et... Je suis devenu comme moi. Ah, il est devenu un grand homme. Non. Avec du charisme. Voilà. Et je suis pas un grand homme. Je suis un homme qui fait ce qu'il a besoin de faire. C'est tout. Et José? Si, hermano. Attends, je vais manger. Eh merde, je suis un con, il n'a pas pris beaucoup à manger. Oh tranquille, il est croqué dans les sacs. C'est toi qui as pris toutes les tartes au machin? Non, tarte aux fraises, il y en a pris deux. Non, moi j'ai pris. D'ailleurs, vraiment très bonne. Si, c'est vrai que c'est... Ah, c'est vraiment pas mal. Je vais voir la seconde fois.
Je les avais bien emballés. Hein. Ouh. Si, si, si. Gracias. Je sais que sur les sièges de bagnole, oh là là. Hola, señores. Quel désastre. Non, ils étaient dans notre sac. Ne t'approche pas trop. Ah, d'accord. Un peu plus. Comme l'arbre. Bon, vous savez quoi? Je suis gentil avec vous, regardez. Ça, ça fait moins peur, non? Par contre, tu t'entends plus. Ça fait quand même son effet. Hein. Oh, ça crache la meurtre, hein, quand même. Hein. Ça fait quand même son petit effet, hein, croyez-moi. Si, peut-être, mais c'est moins violent que ça. Non? Ah, oui. Ah, tiens, regarde. Non, mais je... T'inquiète pas, Kimi, ah. T'aime bien. Qui? Allez, toi, les messieurs en short, viens, toi, debout, allez, allez. Ah, viens le monsieur en short, tu sors. Ah, c'est vrai, j'ai eu un petit problème. Tu le souis. Allez, Shorty, viens avec moi. Allez, allez, allez. Shorty. On se dépêche. J'aimerais bien parler à notre détecteur. Vas-y, passe devant, passe devant. Il parle. J'essaye de me détendre, parce que je vous avoue, je suis un peu stressé, là. À droite. Ne vous inquiétez pas, je compte rien faire de... Une table. Après, tourner à gauche. Vers l'entrée. 2 mètres après, tourner à droite. C'est dommage. Vers l'entrée, en gros. J'aurais beaucoup aimé lui parler. C'est Félix Yepes. Vous voulez que je fasse quoi? Il est en week-end. Il y en a, Hermano, il les montre. Dites-moi, je coopère. Bouillez pas. Avance. Bon, mais avance. Ouais, n'avance plus. Stop. Là, reste sur les marches. Bonjour, monsieur. Voilà. C'est la police. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez besoin de rien? Vous avez besoin de manger? Pas besoin de soins? Tout va bien. Ils vous ont pas fait de mal? Non, aucun. Non, aucun. Très bien. Tout va très bien. Très bien. Bah alors vous écoutez bien ce qu'ils ont à vous dire. Oui. Et tout se passera bien. Oui, pas de problème. Soyez rassurés. Oui. Allez, perfecto. Andale. Très bien, je veux bien. Andale, rentre. Rentre. Si, rentre. C'est moi, Tando. Allez, ne vous inquiétez pas, je ferai rien de. Si. Oh, tranquillo, vous pouvez baisser les bras. Et vous pouvez aller là où il y avait vos hermanos. Je peux? Si. Baissez les bras si vous voulez. On va éviter les crampes. Bon, baisse tes bras par contre. D'accord. Oh, monsieur Shorty. Allez, Shorty, assis-toi, la chicane, d'aller. Mais attends, on est dans un film d'horreur ou quoi? Pourquoi? Tu vois pas la lumière? Elle s'éteint, s'allume, elle s'éteint, s'allume. Non. Et après, il va t'emmener chez l'ophtalmo. Allez, andale, les chicas. C'est une lunette de soleil que t'as enlevée, je pense, c'est pour ça. Et pourtant, il est pas fumé. Hein. Il est pas t'appeler, allez, andale. Quelqu'un vous fume? On a tout ce qu'il faut pour un autre coup, j'ai fumé du thé. Ça fait mal à la gorge. Ah, du thé? Du thé? C'est quoi du thé? Du thé? Si. Bah c'est du thé? Du thé à boire? Du thé? Ouais. Tu fumes du thé? Je l'ai fumé. Tiens, essaye ça. Tu me diras des nouvelles. C'est quoi ces pilules bleues? C'est de la bonne. C'est quoi? Tu verras. Quand tu le prendras, pas maintenant, parce que après tu vas être jaune. Toi aussi, tu en veux? Qui? Je crois qu'il parle à Coster. Ezekiel. On te parlait, je crois, Ezekiel. Non, il parlait à Shorty. Ah, bah je sais pas ce que c'est, mais. C'est des pilules bleues. Des pilules bleues? Si. Je crois que c'est pour bander, c'est ce qu'on dit. Non. C'est pas celle-là. C'est pas ça. Ça, c'est les pilules noires, je crois. Je sais pas, d'accord. Il est utilisé. Celle-là, non. C'est pour faire des beaux rêves. C'est de la mettre, monsieur Stéphane. Ah, tu vois, il y a un connaisseur. Et ça fait quoi? Je t'ai donné un cristal de mettre. Oh, d'accord. Un travailleur. Tu pourras essayer de le transformer. Pour je croyais que c'était le machin qui te donnait un zizi de cheval. Allez, ODD, andale. ODD? ODD? Oh, si, laisse tomber. Cheveux de... Costar. Si. Costa Rica, allez, andale. Tu peux baisser les bras.
peut-être faire mal. En plus, il n'a pas mis d'odorant, je crois. Allez, tu vas aller vers la boîte. Ah bon ? De quoi ? Je crois, mais. Je pense pas que ce soit vous, hein. Mais ça sentait la sueur. C'est Ezekiel, hein ? Ouais, je crois. Avec toutes les couches de sueur qu'il a, enfin de vêtements qu'il a. Bah, il a un manteau, puis je pense qu'il y a le stress aussi. Moi, ça sèche, je sais vite, mais lui, le costard, il boit. C'est pour ça que je suis en tenue légère. Hein, le côté bien. Oh, punaise, c'est ça. Oh, bah oui, là, tu peux suer des mollets, toi. Ah, bah oui, ça... je garde mes genoux au frais, on sait jamais, tu vois. C'est... T'as bien raison. Je vais me lever pour me nourrir rapidement. Pardon ? Je me lève pour me nourrir. Ah, si, si, si. Mange et bois. Tu as besoin de quelque chose ? Non, c'est bon, merci, c'est tout. Eh, tu fais quoi, toi ? Oui, on sait rien. Le banquier met trente ans à faire le code, c'est bon, et il commence à me saouler. Mais va lui tuer une balle. Mais oula, il peut oula, pas. Oula. Dans la jambe, comme ça, la poum. Non, bah, non, c'est pas ce dans la jambe. Et bon, mais t'en le longtemps, pas que les merdes. Il t'aime bien, Kim. C'est dommage qu'on se rencontre dans des situations pareilles. C'est... ouais. Et maintenant, au tour du meilleur. Le chapeau de paille. Merci pour le compliment, mais je suis pas sûr que je sois le meilleur. Hein. Tu devrais enlever ton chapeau, c'est mal poli d'avoir un chapeau. Stéphane. D'accord. Ouais. Montre-moi cette belle chevelure. Allez, on allez. Vamos, vamos. C'est la porte, je vais te mettre juste derrière et tu vas trouver la porte. Oula, 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 oula. Ça va vous ? Oula, oula, oula. Tranquillou ? Il te dérange pas ? Et après on va rentrer chez nous. Ça va, Guillaume ? Pas de cachet que moyen. De quoi ? T'inquiète, ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas, Shorty ? Moyen, moyen, on va dire, quand même. Mais non, souffle. Allez, tout, on va faire un exercice de respiration. Moi, je vais me poser le sucre. Tu inspires, tu expires, tu inspires, tu bloques, tu inspires, tu bloques, et tu expires. Allez, fais ça pendant une minute et tu verras. Tu iras mieux. Mangeons churros au sucre. Ça va, t'es inquiète. Tranquillou, Jordi, on est gentil, nous. Ouais, bah vous deux, d'ailleurs. Oui, oui, c'est plus la situation. Enfin, c'est le contexte. Ouais, bah, là, vaut mieux. Mais la situation, c'est... On fait notre travail, ça nous fait du mal. D'accord. Je t'ai déjà expliqué, Jordi. On ne te veut pas, toi, du mal. Ah, je sais, je sais. C'est une monnaie d'échange. Je sais, je sais, donc, on veut du mal à personne. On veut juste de la patte. Les poyos, ils font leur travail. Dans quoi ? Dans une heure, même pas, tu es sorti ? Oh, même pas une heure. Non, oui, même pas une heure, 20 minutes. Si. 20-30 minutes, tu es sorti et tu retrouves ta femme ou je sais pas qui. Toi, une femme ? Non. Chica, toi, un seigneur ? Non. Non. Seigneur, toi, un chica ? On amène au pays ? Non, pas encore. Et Stéphane ? Ah, moi, j'ai une conquête, mais bon, c'est pas plus que ça. C'était une vache, enfin un animal ou une personne? Ah ouais. Oh, on pouvait comparer ça à une vache. Hein. Okay. On l'avait un derche. On la connaît. Bon, après, on va pas savoir les détails. C'était une plancou? Ouais, on peut dire ça. Ah, on la connaît. Il fallait mieux aimer la tarte au poil. Hein. Ah. Bon, après, chacun mange ce qu'il veut. Je préfère les tartes aux pommes. Tu penses pas qu'on pourrait prendre Kim avec nous? Au pays? Si. Pourquoi ? Pays ? Parce qu'il aime bien. Si, Chico, on va pas rester là trop longtemps. Là, on prend un peu de plata et après on retourne au pays. Ah. Vous venez d'où ? Ah, Mexico. Ah. Je vais voir la porte. Du coup, tu veux aller à Mexico avec lui ? Bah, peut-être pas tout de suite. Ah bon ? Ah oui, après, en vacances, pourquoi pas un jour ? Ah, peut-être.
C'est que déjà pour des vacances ici, c'est déjà pas mal. Pour ça commence bien pour toi, je pense. Je pense pas que tu t'attendes à ça quand t'es venu en vacances. Bah non, mais bon, après. Ah, t'es où en vacances? Oui, de base, oui. C'était longues vacances. D'où viens-tu? J'habitais en France avant. Ah, bien. Thomas Loyamber, mano. Qui? C'est toi, là. Non, c'est pour le faire un peu moins peur. Ah, c'est vrai que là, accroupi comme Spider-Man, tu fais pas peur, hein? Y'a que ça? Bah, non. Bah, si. Avant, il pensait à booster le mode million. Non, c'est déjà 10 fois plus. Qu'est-ce qu'on trouve dans les flics? Tranquillo. Tu as pris combien? 500 000. Ouais, perfecto. En petite coupure. Perfecto. Hop, il donne un peu. Tiens, il était mis non, un peu non, dans ton non, sac. Non, 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 me donne pas, il veut perdre. Non, mais il a mis dans ton sac, c'est bon. Il te met un peu dans ton sac aussi. Hop, voilà. Gracias. Et il donne un peu à Raoul. Oh, tu vas le voir, tout il donne. Attends, il lui donne sa part. Si, si, donne. Tiens. Ah, il est perfecto, il va lui donner après. Incroyable. Monsieur, ça va? Il vous fait moins peur? C'est assez surprenant. C'est ce qu'on appelle le grenouille d'Arabie Saoudite. Ah, je ne connaissais pas. Si, si. Moi non plus. Si, vous faites du yoga? Ça a l'air bien pour les si, abdos fessiers. Un poquito, poquito. Ah, c'est pour ça. Ça fait travailler les cuisses. Les abdos fessiers. Vous avez envie de chier. En bref, venez par ici. Je viens moi aussi. On emmène les abdos. Avec les otages? Non. Faut qu'on discute. Bon, eh, vous restez là, change-moi. Oui, c'est. Va pas le loin. Un bouger. Non, 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 non. Allez, non, ça va. Hombre, du coup, attendez, je suis pas encore là. Ça va? Monsieur Stéphane, vous allez bien? Ah, ça va, j'ai un peu mal au ventre. Ça doit être les burgers au poisson. Mais quelle idée de manger ça? Ah, je sais pas, je vais avoir la chiasse. On savait pas qu'on allait se prendre, faire prendre un otage aussi. Oui, mais ça sert à rien à voir, otage ou pas, on mange pas ça. Mais avec le stress. Y'a un mangeur plein, moi. Bah oui, moi aussi. Ah, mais moi je suis fragile de l'estomac. Ah, bah oui, c'est vrai, vous me l'aviez dit. Mais pourquoi vous avez mangé des burgers? Bah, j'ai voulu essayer. Ah. Autant le poisson, normalement, ça passe mieux que le bœuf. Oui, mais pas celui d'ici, enfin... Celui d'ici, il est un peu... Ouais, il est un peu raide, ouais. C'est pas trop d'où il vient, en fait. Allez, tout le monde se lève, sauf Stéphane. Ah. Il va rien lui arriver? Non. Levez les mains. Vous allez... Non, mais tout est con. Va là-bas. Va là-bas. Non, mais il faut les préparer. Mais non, y'a rien à préparer. Si... Baisse ton arme, toi. Le temps qu'il le fasse sortir de prison, qu'il l'amène là, on a le temps. Ah bah c'est derrière mes pouces alors. Bon, vous pouvez vous ramener. On va ramener le dernier mot. Rassurez-vous en fait. Ok. Mais bon, préparez-vous pour tout à l'heure. Bon, tranquillou, hein, j'ai eu le temps. Tranquillou avec moi, c'est tranquille. Si. Mais qu'est-ce qu'il fait Louis? Allez. Au pétard. Il sait pas ce qu'il branle, Louis. Tu fais une prière? Tu pries? Mais non, mais... Mais non, il est parti. Il est parti en otage là-bas. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, le hermano. C'est un otage. Y'a sept coachés de police? De Poyos? Mais si, oh, je t'ai dit. Merde. Ça fait beaucoup. Si, y'a sept coachés. Oh là là. Mais moi, c'est ce que je t'ai dit. On a des pilotes du futur. Déjà, il y en a 5. Parce que il y en a dos pour les otages. Ah et... si, c'est vrai. Du coup, il y en a que 5. Du coup, soit t'en as 3, soit t'en as dos. Oula. Ils vont en prendre 3 pour les otages. Celui qui a l'hélico. Celui qui a l'hélico. Attends, et bah, du coup... chut.
Tu es con ou quoi? De quoi? Tu veux dire devant les otages? Et celui qui aura l'hélico, il aura deux voitures. Ce qui me semble logique. Pas forcément, on verra bien. Oh, ça me semble logique quand même. De toute façon, tu sais très bien ce qu'on fait. Vas-y, on va bouter les otages s'ils sont passage. Ah, non, Hermano, c'est pas ça les plans. Non, j'aime pas ce plan là. Non, en vrai, on non, ça dire. C'est le plan C. Si les polios commencent à nous faire chier, on vous tire dessus. Non. Bah, faudra voir avec les polios. Faut espérer qu'ils soient gentils. Vous êtes pas obligé de nous tuer? Ah bah, ça dépend. Ça dépend. Quand les polios vous tirent dessus, on est obligé de vous tuer. Non, ils tirent dessus. Tuer, peut-être pas, mais on va dire que 4, 5, 6 balles, ça fait on va vous... Ah mais je pourrais faire semblant. Non, ça va. Regarde, il s'est pas trop visé. Je crois que vous l'avez un peu bousculé. Oh bordel. Oh, mais t'es tombé dans les pommes, toi. Oh bordel. Il s'est pas trop visé. Ah monsieur, il y a la sécurité, hein. Eh, réveille-toi, je te donne une claque. Allez, réveille-toi, là. Eh, sorti, allez. Arrête de faire flasher le vent, ta chica. Je me sentis pas très bien, là, pour plancer. C'est de l'eau. Eh, putain, t'es blanc comme un coup. C'est un plan, c'est prime. C'est prime, si. Parce qu'il y a le C juste avant, c'est on vous arrache les pieds et on vous pend en l'air. Eh putain, lui il est vraiment au frais. Vous devriez arrêter. Shorty. Faire peur. Et vraiment. Eh regarde, tu il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle comment? Il s'appelle Gemoni. Ah mais c'est normal qu'il fait ça alors. Shorty, regarde, il te présente un jeu. Non. Ok. Il y a une idée. Il y a un pistolet. Il y a 5 balles dans le chargeur. T'as une chance sur 5. Non, une chance sur 6. De ne pas te faire tuer. Hermano. Non, mais arrêtez de. C'est une automatique. C'est pas barillé. Je suis dans tous les cas. Mais lui, ah, il est pas très... Ah, ben bon courage. Non, mais ça ferait partir, bordel. Et tu veux pas te reculer, Shorty? Tu me mets la pression là. Il s'appelle Shorty. Pardon? Non, c'est Guillermo. Schwarzy, je crois. Tu t'appelles comment? Guillermo. On n'a pas dit Schwarzenegger. Ah, je croyais que c'était Schwarzy. Toi, tu t'appelles comment? Non, Shorty. Parce qu'il est en short. Moi? Ouais, ah, je croyais que c'était parce qu'il était musclé. Okay. Ok. Et toi, tu t'appelles comment? Ezekiel. Bah, toi? Si, Ezekiel. Et moi c'est Stéphane. Si Stéphane on connaît. Ouais bah Stéphane toi on te connaît, t'inquiète. D'accord. Besoin l'habitude. Hein? Et on a l'habitude. Si on a l'habitude de te voir. T'es presque nos voisins en plus. Il avait pas compris ça. Ben, j'ai rien entendu. Il avait compris ou un boutin. Il a pas compris. Ah. On va buter personne. Il allait choisir Shorty, je pense. Oh sa mère, qu'est-ce qu'on se fait chier ici. En vrai, si je dois buter quelqu'un, promis, c'est lui là. Non, mais pourquoi il moi? Il est pas expressif. Les robes, j'ai rien fait. C'est lui avec ses cheveux. Si, c'est bien ça le problème. Je crois qu'il a du mal à digérer aussi son menu. Parce que Stéphane, il aime bien. Ouais, c'est du poisson. Ah là là, putain, ça me torsade des jeunes estomacs. En même temps, comment on peut pas aimer Stéphane, j'ai envie de dire, quoi. Kim, ah, il aime Stéphane, vraiment, c'est vraiment un amour. J'ai l'impression qu'on presse les testicules tellement j'ai mal. Les chicas, c'est trop ça. Non, il aime les chicas qui se respectent. Et qui encore, se respecte ce qu'il est en train de dire, c'est que la fin du braquage est au pichon. Raven. Ah. Et pourquoi Raven, elle se respecte pas? Bah parce qu'elle a baisé avec Fernando. Ah. Non, c'est même pas vrai. C'est pas... Non, hier tu nous as dit non, tu as refait le cul. Si. Tu l'as fait. Libération de ton énote dans 15 ou 10 minutes. Perfecto, hermano. On va faire avoir le cognac. 35 minutes, vous êtes sorti. C'est bon? Si. Ou à peu près une heure. Parce que vous savez, los pollos, c'est comme la SNCF, ils sont tout le temps en retard. Parce que là, ils vont récupérer un hermano, mais le problème, c'est qu'il est dans le nord. La SNCF, je connais bien, je suis français aussi. Ah d'accord. Donc vous avez totalement raison sur les retards. Hein. Ah bah si. Aïe, l'heure est finie.
C'est ce que. Oh, sa mère, eh, fais gaffe! Toutes les entrées sont. Ah, appuyez pas sur la gâchette! C'est pas une bonne idée, ça! C'est putain, ça serait trop bête! C'est. Vous voulez allumer le bong avec la. Ça va, José? Moi, ça va, mais ça va toujours! Pourquoi ça irait pas? Rien, y'a rien! Tranquillou! Ça nous fait à peu près 100 000 chacune. C'est ça? Si. Perfecto. Après, on va réinvestir en armes. Et si. Les prix sont et plus intéressants au Mexique. Pour l'instant, vous êtes comme ça. C'est incroyable. Merci. Ah ouais, merci. Franchement, vous passez pas de faro. Ça fait plaisir. Franchement, c'est lequel qui pourrait être élu mon otage en or. C'est Kim. Venez, on est le ou otage. L'otage en or. Bueno, il est tombé amoureux. Oh, Kim. Stéphane, il me fait rire. Il aime bien. Moi, je dirais Kim. Ok. Non, on va faire un truc. On va faire un truc. Honneur à toi, Stéphane. Moi aussi, j'ai du charisme. Si. Chacun votre tour, vous allez dire une blague. Une blague? La blague qui sera la plus drôle. Bah, il gagne de la plata. Si, voilà, il gagne. Range ça. Mais il me. Stéphane, commence. Mais il me soulage. Attends, je réfléchis. Tu te soulages, tu vois pas que t'as des cernes. C'est bien. Commence par le copain, là. Comment ça? Que une blague déjà. Oh, des cernes, sa mère. Mais si, je réfléchis. Je vais réfléchir aussi. Vous laissez 2 minutes pour réfléchir. Allez-y. Allez, sorti la blague. Sinon, il était but. Attendez, deux minutes. Attends, vraiment. 2 minutes, je suis sûr. Pour 2 minutes, il a pas l'air d'être si con que ça, il va trouver une bonne blague. Si, c'est vrai. Réfléchissez tous, c'est une bonne blague là. Ah, des fois, d'être faible, de la peut-être qu'il est intelligent. Les Armano, vous avez vos cartas pour tirer? Il faut quoi? T'as ta carta bancaire? Pour tirer de la pata? Vas-y, par qui? Comme ça, on récompense les. Non, y a plus de 1000 dollars. Pour le gagnant, il gagne 2500 dollars. Moi, il y a 400 gagnant, et mon compte en banque, il est 60 gagnant, dollars. Il gagne 1000 dollars de ma part. Bon, alors le gagnant, il se fait à peu près 5000, quoi. Ouais, voilà. Et si c'est Kim, il lui donne 4000. Oh, ta gueule. Oh, ta merde. Dis merde, hermano. T'as intérêt à gagner, Kim. La pression. Que demande? Elle était bien bonne. Un coiffeur. Incroyable. Que demande un coiffeur? Bon, que demande un footballeur à un coiffeur? Si, une coupe au bol? Non, la coupe du monde! Allez, next, on a plus de temps. Vas-y. Prochaine. Vite, à toi, Prochaine. À toi, Tarzan. Tarzan, c'est moi? Oh, Tarzan d'espace, là. Comment ça s'appelle un hamster dans l'espace? Je sais rien. C'est un hamstéroïde. Ok, il est rigolé. Ok, c'est bon. À toi, Chica. Allez, Kim. Vite. Qu'a dit Vénus en flirtant avec Saturne? T'exploses les couilles. À ce moment-là, nos doigts. Ok, mais à toi, okay, Shorty. Mais... Tu connais la particularité de l'homme aux 5 bits? Non. Bah, son slip, il va comme un gant. Ok, c'est nul. Moi, il aime bien celui de Tarzan. Et Kim. C'était quoi? Non, mais Kim, Kim il aime bien, mais. Allez, non, c'était Kim. Non, c'est Tarzan. Les hermanos, on va devoir bouger là. Ouais. Allez, Tarzan, lève-toi, on va te donner la plata. Tarzan, je te donne la plata. Lève-toi, viens. Bien joué, toi, gagné 5000. Bravo, Tarzan. Bravo, gracias. Guillermo, pardon. Eh non, Guillermo, c'est Shorty. Guillermo, c'est quoi, Hermana, ta... Félicitations. T'as ton nom? Kim. Gracias. Je peux vous en faire une autre pour le Guillermo, plaisir? Guillermo, comment? Guillermo Chava. Vas-y, tu peux te rasseoir. Guillermo Chava, Kim, c'est quoi? Spencer. Kim Spencer, et toi, Shorty? Et moi? Shorty, non. Shorty, c'est Guillermo. C'est moi, Shorty. Kim Spencer. C'est ça? C'est ça, oui. Et Shorty, et Tarzan, tu t'appelles comment? Ezekiel Ortiz.
T'as dit si ça. Je peux vous faire une autre blague juste pour le, juste pour qu'on se détende. Shorty. Attends. Shorty, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Guillermo Chavard. Je sais qui. Sabat. Chavard. Guillermo Savard. Chavard. Chavard. Non, je sais quel. Curtis. Ortiz, si. Curtis. Non, y a pas les C. Ortiz. Avec ou non. Vous êtes prêts, messieurs? Oh, moi, je comprends rien. Mais moi, attends, tu veux l'identité de qui? Ortiz. O-R-T-I-S. Non, y a pas les C. Vraiment, c'est un O au début. Mais dis-le, mais vraiment plus fort. Ortiz. Curtis. Non, c'est Ortiz. Bah, tu sais quoi, tout comme dit Odile. Curtis, et après, il se démerde. Comme non, si vous voulez, je vous donne ma carte qui est dans mon portefeuille. Toi, tu dis Curtis, ça passe, c'est bon. Hein, on va pas être à deux lettres pareil. Hein, vous dites Ezekiel, tout le monde y connaît Ezekiel. Ezekiel, Ezekiel ou Ezekiel, je sais pas. Ils trouvent aussi. Et on va pas aller mâcher le travail non plus. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, Tointoin? Voyons, c'est rien. Un tanard. Un tanard. Juste pour ça, tu vas des 3000 dirhams. Comment? Et vous, c'est mérité. Ah, allez, okay. Stéphane, reste assis. Toi, et les viens, trois mousquetaires, toi, là, d'aller. Toi, tout vient. Okay. Les trois mousquetaires, là, debout. Allez. Allez, on me suit. Kim, tout vient. On me suit, Anne, Kim. Tout vient. Bisous, Kim, un de ces quatre. Bisous. Les cons, on retourne au pays après. Allez, on d'aller. T'inquiète, il va t'emmener avec. On va y aller tranquille, comme lève la main, ça fait plus sérieux, tu vois. Oui, pardon. Ah, gracias. Il m'en faut pas deux avec moi pour les otages. Encore il y a un sniper. Il est là, hermano. Les trois otages sont derrière. On sort? En ligne, derrière les couchers. Allez. Sortez. Là. En ligne. Top. Là, là. Là. En ligne. Entrez les couchers. Là. Les mains en l'air. On bouillait pas. Bouge pas. Sachez que vous faites un faux mouvement où les poyos essayent de faire une coup fourrée. Oui, et donne pas cher de votre poids. Non. Fernando. Si. Break-les. C'est bon, il est break. Qu'est-ce que. On s'arrête. Parmi, y'a pas de sniper. Faites avancer les otages. Allez, on avance. Avancez. Doucement. Très doucement. On ne parie pas. Allez, viens. Donino, avance. Avancez un petit peu. Avance, Olivier. Allez-y. Un petit peu, monsieur Reyes. Allez, un poquito. Allez-y, avancez les. Allez, les otages, avancez. Vas-y, Tonino, avancez. Allez, les otages. Courez vers mes collègues. On vous a rendu votre balance. Ouh. Ah. Y'a du monde. On reste pas là, on fait quoi Venez avec moi. Con. Oh, pardon, madame. On n'a pas le temps. Ok, mettez du calme. Oui, bah oui, calme. C'est pas facile à dire. On n'a pas l'habitude, nous. Oui, bien sûr. Je me sens pas très en sécurité, moi, ici, là. Oui, la raison pour laquelle je vais vous appeler une ambulance. Merci beaucoup.